Les gars, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire FR qui est disponible dans la barre de description. On balance toutes les news au même moment ou quelques heures à l'avance que la page Bleach SR. Je vais essayer de nous avoir quelques trucs supplémentaires avec eux. Je vous invite tout simplement à me soutenir pour les futurs projets qui seront directement liés avec eux-mêmes et d'autres choses à venir concernant Newverse et Bleach. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse du gameplay entier et complet entre Ichigo Kurosage et Zaraka Kinpachi et le second combat entre Ichigo et Byakuya. Let's go, c'est parti, j'enlève le son, on sait jamais. Ok, là le combat il dure 1 minute 30 et on va analyser chaque séquence du combat. Dans l'un des tweets, j'avais dit que il y avait un système de cancel attaque, de garde, de super garde et bien sûr d'autres petits mouvements importants qu'on va voir maintenant. Ok, là il y a un système de parade, ok, de clash, un système de d'annulation d'attaque ennemie. On repart ici. Ok. Voilà, là, juste, déjà juste ce passage là, il y a un système de cancel attaque, de feinte, qu'on pourra sûrement reproduire. Ok. Ok, il y a un système d'éveil également. Zaraki Matkendo, bon, on reconnaît. Et là, le combat entre les deux, mais cette fois-ci, il a éveillé son impacto, Ichigo. Ouh, cette petite frame là. Ça là, on est obligé de le passer au ralenti. C'est quoi ce passage là? Attends, il y a eu un délire de confrontation à distance. Ils ont rajouté un dash en avant ultra rapide qui a permis d'annuler l'attaque. Non. L'attaque. Ok, l'attaque a été annulée avant même qu'il dash. La portée de son attaque, elle est super, super intéressante. C'est quoi ça? Attends. Faut aussi qu'on revienne sur ça. Ouh. Du coup, certains persos ont une rapidité plus accentuée que d'autres. Ils seront plus rapides que d'autres. Par exemple, là, ce passage-là, normalement, en aucun cas... Je dis bien en aucun cas, Ichigo est plus rapide, même si on suit l'histoire et tout. Dans le jeu, normalement, ça doit être identique. Et c'est super intéressant. Même ce petit passage-là sur le coup aérien, bim. Là, petite frame sur le sang. Pas mal. Là, je mélange un peu tout, le gameplay, la qualité. Hein. Mais faut en parler. Ok, l'enchaînement du combo de 3 ou 4 coups. Juste après avoir dash plutôt. Ok, garde parfaite. Oh! Ok. Parade, bon, on va appeler ça une parade parfaite. On n'a pas de... Ok, on n'avait pas... Bon, ils nous ont pas montré les touches, mais je pense qu'on a une barre qui nous limite justement au clash pour pas qu'on puisse spam ça et qu'on puisse spam toutes les compétences, en fait. Enfin,
Ça, à chaque fois qu'on a une attaque. Du coup, parade parfaite, contre-attaque, balance. Vraiment, c'est plus complet que certains jeux consoles auxquels on a pu jouer auparavant. Je me demande si uniquement sur ce passage-là, il est possible. Il est possible en fait d'annuler l'attaque en plein dans les airs au vu de la lenteur. On remet la vitesse normale. On remet la vitesse normale. Du coup, on est ici. Voilà, on est là. Normalement, ce passage-là, il est quand même assez lent. Hein. Certaines unités, dans le futur, je pense, ils auront la capacité soit de dodge, soit de réattaquer directement derrière. Hein. Ok, intéressant. Intéressant. Système de dash, ok. Je viens de remarquer un truc, attends. C'est pas un dodge parfait, un perfect dodge. Par contre, le timing qu'il a eu. Ok. Ok. Ok, intéressant. C'est broken de fou. Hein. C'est broken de ouf. Ok, on va revenir sur le gameplay. Parce que j'avais vu un truc qui m'a plu. Ok, c'est là. C'est exactement là. Il y a un délire de little step que produit Kenpachi. Et si il y a un système de little step et que c'est introduit dans le PVP, je vous dis d'avance. Le PVP va être masterclass. Je le remets là. Je mets en 0,5. Comme ça, vous compreniez un peu le système. Là. Petit pas en arrière. Quand il est en garde, il recule un peu. Là, au même moment, il annule sa garde parce que Ichigo envoie une feinte d'attaque. Et du coup, il reçoit l'attaque de plein fouet Kenpachi. Oh, le gameplay, il est stratosphériquement incroyable. C'est bon. C'est bon, nous avons le jeu de 2024. Aucun jeu va rivaliser avec lui, si à l'exception, il propose le même style de gameplay. Mais à l'heure actuelle, il a le gameplay le plus développé, comme je vous l'avais dit dans mes anciennes vidéos et dans mes anciens tweets. Enfin bref, voilà. Let's go. Let's go, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur jeu du monde, les amis. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.